Bon. Donc la dernière fois, on avait vu que le jeu était pas si dur que ça, hein, donc bon. Allez, station, la station céleste, chapitre 3, on va grimper, c'est y part. Faut que je me souvienne des mécaniques. Sois fier de ton compteur de mort, plus tu meurs, plus tu apprends, n'abandonne pas. Je bosse. Ah mais du coup t'es au boulot là, t'es pas en pause. Ça c'est X, ensuite pour agripper un truc c'était quoi déjà, c'était R ou ZR, je sais plus. Ok, c'était... c'était L1. LB comme on est au milieu. Oh, il y a des trucs craquants là. Il y a des trucs craquants là. Je sais pas comment on la chope celle-là. Est-ce que je peux passer par-dessus? Non. Ok. Je suppose comme d'hab, d'accord. C'est gens qui jouent en français alors que le russe est clairement plus opti. Ouais, j'ai entendu dire ça, ouais. Oh, c'est pas vrai. J'ai entendu dire que le russe était plus opti, ouais. Oh là, mais calme-toi par contre la porte là. Le son on voit beaucoup trop là, qu'est-ce qu'ils ont pété un plomb. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Ouais. Ok. Please ring for service. C'est un livre d'or très ancien et poussiéreux. Les pages ont été abîmées, il en manque beaucoup. Cependant, les commentaires sont élogieux. Nous n'oublierons jamais notre séjour. C'est quoi M. Oshiro? J'ai jamais été aussi en paix, merci. What? Bienvenue, puis-je vous aider? Êtes-vous un fantôme? Un fantôme? Vous plaisantez. Je suis le gardien de cet excellent établissement. Bienvenue à l'hôtel Station Céleste, client le monde entier. Monsieur Oshiro à votre service. Ah d'accord. Deux clients en un jour, les affaires reprennent enfin. Combien de temps resterez-vous avec nous? Oh, je ne fais que passer. Je gravis la montagne. Vous avez une sortie de secours? Une sortie de secours? Elle ne fait que passer, ça ne doit pas être bon. Vous savez que je vous entends, n'est-ce pas? En tout cas, notre porte de service de derrière est réservée au personnel de l'hôtel. Mais notre suite présidentielle au du dernier étage offre une vue imprenable sur le pic. Où il serait très confortablement installé. De là, je pourrais peut-être accéder au toit et descendre par derrière. La suite présidentielle, merveilleuse idée, Oshiro. Je dois vous enregistrer, quel est votre nom? Je m'appelle Madeline. Mais je répète, je n'ai pas du tout l'intention de rester. C'est par ici, mademoiselle Madeline. Il a dit le nom. Il a dit le nom, monsieur Oshiro. C'est à toi, Windfire. Bienvenue. C'est dégueulasse, ces trucs. C'était pas assez haut. Attends, parce que là, je... Ok. Oh. Dis donc, c'est ta première run. Oui, c'est ma première run. Première run, effectivement. Comment est-ce que je chope ça, moi? C'est passé. Beaucoup trop fort. Ouh les salopards. Les salopards. Tout va bien. Allez, on est reparti. Alors, ça va tomber. Ok.
c'est parti. Ah oui, j'avais oublié les cristaux qui me permettent d'être d'accord, ok. Tu as refait régulièrement des lives célestes. En ce moment, je suis parti pour en faire... merde. Entre 1 et 0 par semaine, à peu près, je pense. Ça va dépendre... ça va dépendre. C'est pas le jeu sur lequel je joue principalement en ce moment. Salut à toi, Jander. En ce moment, je suis plutôt... Merci pour ton follow. Je suis plutôt en train de jouer à Baldur avec... avec des gens du chat, notamment. Putain. Et c'est fini, Brennen. C'est fini, Brennen. J'ai été un peu déçu par la fin, d'ailleurs. Si je peux me permettre. Oh. Je vais pas bien vite, là. Ces trucs qui tournent dans tous les sens, ça me brain fuck. Brennen, petit ange parti trop tôt. Il est parti dans les derniers, quand même, hein. Alors, on va prendre dans ce sens-là. Voilà. Ok. C'est poivré. Oui, mais j'ai aussi pas mal réussi les oignons, Zugi. Ils sont un peu caramélisés, c'est plutôt chouette. Tu joues clavier, souris ou manette? Je joue manette. Oh. Ok. C'est quoi ces trucs sur les murs là? Oh, c'est dégueulasse. Ça pousse dès que je lâche ou... Ok. Ok. Veuillez me suivre de près, mademoiselle Madeleine. L'ascenseur est au bout du couloir. L'hôtel est plutôt en sale état. Il est vraiment ouvert aux clients? Bien sûr qu'il est ouvert. L'hôtel Station Céleste ne fermerait jamais pendant la pleine saison touristique. En sale état, que veut-elle dire par là? Oh, laissez-moi porter votre valise. Mon sac? Non merci, je vais le garder. Très bien. Il paraît que c'est plus facile manette, mais perso, j'ai pris Marc en clavier souris. Quelle drôle de cliente. Moi vraiment, quand je suis sur du platformer, c'est, je pense, les... Pourtant, j'allais dire mes jeunes années, mais en fait... j'ai jamais été stick sur les platformers, mais je sais pas, je... Oh là, non. Bon, j'avais pas vu le cristal, hein. j'ai pas analysé la salle avant d'entrer. Oh là. Pff. Souris, c'est pourquoi? Dans clavier souris, je sais pas. T'aimes pas ça, les petits poils sur les murs? C'est très sympa, Tienne, les petits poils sur les murs. Super idée de déco, hein. fallait que j'attende la plateforme. Je vais comprendre cette salle, rassurez-vous, je prends mon temps juste. Ok, faut vraiment... D'accord. Voilà. Hein? Ok, merci. La fraise qui vole, il faut arriver par où dessus, là? Ouh, 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 les poils qui ont poussé. Ah, je suis bloqué là, hein, je suis bloqué. Ok. Ok, ok, ok. Quand je dis clavier souris, c'est juste clavier ZQSD pour les placements, LP pour les tâches et le grave. J'arrive toujours pas à savoir si je suis fan de cette mécanique de dash d'ailleurs. Hein. Je trouve ça un peu rigolo et en même temps. Ça m'écrase un peu l'index contre ma manette, c'est pas. C'est pas la mécanique la plus chouette, quoi. Je l'ai eu? Je l'ai pas... Comment ça, je l'ai pas eu? Oh, ils sont dans l'abus. Ils sont dans l'abus. Franchement, ils sont dans l'abus. Ils sont clairement dans l'abus. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu, là? Ok, ça va être chiant. Tu dois te poser par terre pour valider. Eh ben, j'étais par terre. Oui. J'étais directement arrivé par terre, hein. Il faut se presser, mais pas trop, d'accord. Marrant cette fraise à avoir, je pense. Ça va être marrant cette fraise. Oh, ah ouais! Il faut l'avoir dès que c'est passé.
Oh, attendez. Je vous jure, elle me brainfuck ces petites formes là. Hein. Qui tournent sur elles-mêmes. Oh putain, faut-il que je réussisse à passer par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous? J'arrive pas à me concentrer. Comment est-ce que je faisais là? Il fallait que je remonte un petit peu et qu'après je me serve de mon dash pour arriver sur le mur et faire di 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 di. Je vais y arriver. Oh là là! Non mais oh! Ok. Réussite. Il y a un petit secret là-haut, là. Oups là. Oh non, c'est pas vrai. Faut que je meure. Ok. Vous avez vu le mec? Il voit tout. Où est-ce que ça va, cette saleté? Ouf. Attends, quoi? C'est dégueulasse. Ok. Et eh ben alors, j'ai touché le sol, là. Eh, j'ai touché le sol. Mais ils se foutent de ma gueule. Oh, oh. Les salopards. Des fois, il faut sortir de la salle pour l'enregistrer. Si le jeu pouvait être plus clair avec ses propres règles. Oh putain, c'est pas... Pardon. Excusez-moi, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok. Ok, ne nous fais pas une zoogie sur Overwatch, sur Outer Wilds. Putain, OW, c'est vraiment Overwatch pour moi. Non. Ça va, tout va bien. Ok. Comment est-ce qu'on chope cette fraise et qu'on repasse après? C'est la mort si on chope cette fraise. Bon, je vais pas la tenter tout de suite, hein. Oh là, bah alors pourquoi j'ai sauté très très vertical comme ça? Merci, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Overwilds. Oh les salauds! Eh oh eh! Attends quoi? Oh là là. Eh hey, mais j'ai pas touché là. Pourquoi il y a des poils? Pourquoi il y a des poils? Ah. Celle du bas, faut juste remonter en fait, on est d'accord? En fait, j'ai droit qu'à une seule chance pour toucher les petites plateformes de mort.
Ce qui est pas non plus ultra compliqué, hein, mais ce qui limite un petit peu les mouvements quand même. Oh bah. C'est chiant. Ah! En fait, j'ai l'impression que mes rebonds tombent toujours mal. Et c'est pas très compliqué en plus cette... Oh, purée. Non, c'est bien Overworld. Tout va bien. Juste, tu l'as pas encore fait, Windfire. Je suis allé trop loin. Oh, eh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Attendez, quoi? Comment est-ce que je fais une fois que je suis en bas, là? Je vais chercher le mur. Oh, putain. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est marrant, ça. C'est très marrant, ça. Le fait que je sois obligé de faire un petit demi-tour, ça m'agace. Oh, je l'avais, hein. Allez, hop. Ah non. Merci. Merci, mais non merci. Ok. Quoi? Ok. Oh là, ça a tombé, ça. Mademoiselle Madeline, je vous prie de continuer de me suivre de près. Je tiens un établissement de classe internationale. Je n'ai pas de temps à perdre avec les clients qui lambinent. Ne m'attendez pas, je cherche juste un moyen de franchir cet endroit. Oh, Chiro, espèce d'idiot, le client est toujours roi. Les affaires reprennent enfin et tu perds tes nerfs. Ah, bien sûr, mademoiselle Madeline. Mais ça, sincères excuses, je n'aurais pas dû dire ça. Je vous en prie, explorez donc à votre gré. Bah surtout que les portes sont fermées en fait, enfoiré. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Il s'est perdu? Il s'est perdu? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors. Hello, Otaku Dimanche, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, cette désordre est devenue incontrôlable. Quand est-ce que c'est arrivé? Je ne sais même pas par où commencer. Monsieur Oshiro, vous gérez cet endroit seul? Vous avez raison, de dire la nuit, je ne ferai jamais tout ça tout seul. C'est impossible. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Respirez bien, monsieur Oshiro, respirez. C'était qu'un petit ménage de printemps. Enfin, pas si petit. Mais je peux vous aider? Vous êtes trop aimable. Mais je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est une cause perdue. Regarde sa tête. Ça fait longtemps, on m'a oublié. Après, c'est normal. Je suis désolé, mais effectivement, le pseudo ne me dit rien. Après, j'ai bien vu que c'était pas ta première fois dans le chat. Mais ils ont mis une jolie musique. Mais je t'avoue ne pas me souvenir du pseudo, malheureusement. Oula, c'est bon. Tu peux éventuellement m'aider à me rafraîchir la mémoire. Je suis pas contre. Et alors après, putain. Ça fait presque 4 ans. Ah oui, bah là c'est compliqué. Déjà que je me souviens pas des viewers qui viennent régulièrement. Oh! Je me suis vraiment fait avoir par ça. Ok, il y avait un joli cœur bleu en bas là, regardez. Gros cœur bleu. Comment est-ce qu'elle se chope celle-là? Attendez, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on la chope celle-là. Il faut partir quand c'est en bas. Oh zut.
Il y a eu un rebranding. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que tu t'es rebrandé, Otaku? Parce que c'est aussi possible, hein. Que t'aies fait un rebranding et que j'ai perdu le pseudo, hein. Et hop là! Let's go! Rebranding, c'est changement de marque. Il est juste chelou ce niveau en fait. Oh quel idiot. Bon. Oh là là. Je ne changerai mon pseudo pour rien au monde. Je suis passé sur quoi? Parce que en vrai, putain, il y a 4 ans. Je te jure, il y a 4 ans, c'est compliqué, hein. Il y a 4 ans, c'était quoi? 2020? 2020, c'était quoi? Covid, qu'est-ce que c'est? Quoi? Animal Crossing? Animal Crossing, il y avait eu beaucoup de monde et surtout beaucoup de viewers différents, donc... Mais qu'est-ce que j'ai foutu, là? Ah ouais, bah du coup, je suis désolé, mais effectivement, ouais. Je crois que j'ai la flemme de celle-là. Salut Velk! Velk, toi par contre ton pseudo me dit déjà un peu plus un truc, mais je suis pas sûr non plus. Waouh! Salut Sorut! Toi par contre Sorut, je me souviens. Non, c'est la soirée où on doit se souvenir des vieux. Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Pouink, pouink. Ah! Haha! Comment je m'appelle? Merlin? Marin? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Alors, ah oui, là on va dans la salle de bain, donc on va ranger les serviettes. J'ai compris. C'était Noir qui avait parlé de ta chaîne il y a longtemps. Mais oui, ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Un vieux papier ressort du désordre. À l'attention du personnel de l'hôtel, il est malheureusement de ma responsabilité de vous informer que l'hôtel Station Céleste fermera jusqu'à nouvel ordre à la fin de cette saison à cause de circonstances indépendantes de notre volonté. Avoir travaillé à vos côtés fut un honneur. Nous avons œuvré sans relâche pour garantir à nos clients, l'expérience d'une hospitalité la plus mémorable possible. J'écris Céline, le corps gros. Cet hôtel est devenu mon foyer, son personnel et ses clients ma famille. Vous allez tous me manquer énormément. Signé Monsieur Oshiro. Oh, Monsieur Oshiro est un fantôme? Non. Masaka, comme ils disent au Japon. Oh. Sinon, vous allez bien tous. Eh bien, écoute, ça va très très bien. Je viens de finir mon set de set, mon profil pour enfin attaquer le jeu Harry Potter sur PS4. Je ne ferai aucun commentaire sur ce jeu. Sorut ne connaît pas, il y a un rapport avec Coron. Ah putain. Ah là 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 là, je ne ferai aucun commentaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Pico 8. Oh, un jeu dans le jeu? OMG. Oh quel enfer. Putain, j'ai perdu à Céleste. Ça, j'espère que ça va me l'avoir raconté comme une vraie, hein. Je vous préviens, j'espère que ça va me l'avoir raconté comme une vraie. Y a pas de raison. Celle-là aussi, hein. Oh là. Ok, tout va bien. Hein? D'accord, on glisse. Eh?
Attendez, je suis censé passer comment là? Ah oui, d'accord, comme ça. Ok. Quoi il sert le ballon? Ah, c'est un réinitialisation du dash. Ok, d'accord. Oh, je l'ai raté celle-là. C'est pas grave. Je comprends pas ce que je suis en train de faire en fait. Je vous avoue. Trop de gens dans le chat ce soir, je suis paumé. J'avoue, c'est terrible. J'associe le studio de dev de l'auteur. Je dissocie pendant le studio de dev de l'auteur. Oui. Oui, c'est vrai. Après, c'est exactement ce que je disais au rond dans ce scénario. Je sais pas si c'est une chose qu'il faut faire ou pas, quoi. Enfin. Non, pardon. Je sais pas si dans ce cas. Le studio est vraiment un truc auquel on puisse se rattacher de manière... J'ai dit Digidasaurus, c'est à Auron que je l'ai dit. Bref. C'est la version de Céleste sortie avant Céleste. Non mais c'est une vraie version ça? Le jeu dans le jeu est plus dur que le jeu. Bah écoute, je veux bien te croire. Mais ça continue ou à un moment faut que je me casse? Ça a une utilité ce truc là? Parce que là, bon, je suis en train de jouer comme si c'était important mais... Je comprends pas comment est-ce que je suis censé faire là. Maintenant disponible en lune principale, d'accord, ça sert à rien. C'était juste un truc rigolo. On a eu un drôle d'unlock. Ok, bon, on va aller voir Oshiro parce que monsieur Oshiro, vous êtes un fantôme en fait. Monsieur Oshiro, je connais votre secret. Vous êtes un fantôme. Oh, mais il a disparu. Et bisous à toi, tienne. Je comprends pas parce que là c'est fermé. Au-dessus c'est fermé. Et il n'y a rien dans la salle de bain. On retourne se faire du blé sur l'alcoolisme passif. Non mais ça j'ai compris ça. Mais c'est pas un secret. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est pourtant ici qu'il avait ouvert. Il y a un truc ouvert de l'autre côté, peut-être, maintenant qu'on a enlevé les serviettes. Ah oui, voilà. Ah non, mais Oshiro est là-bas, d'accord, ok. Je n'ai pas encore commencé, que je me sens déjà plus léger. C'est le pouvoir de la pensée positive. En fait, j'ai déjà fait un peu de ménage pour vous. Ah oui, merci, mademoiselle Madeleine. Mais je vous en prie, reposez-vous et laissez le personnel s'en occuper. Oshiro, espèce d'idiot, tu es en train de la perdre. Les clients ne sont pas là pour perdre leur temps avec le ménage. Vous allez bien? Ah oui, bien sûr. Vous ne serez jamais plus reçu dans un meilleur hôtel. Vous allez voir. Comment ai-je pu me laisser déborder par tous ces problèmes? Ah, il est pas au courant, mais en fait, il est un fantôme. C'est hyper méta. Il est pas au courant. Comment est-ce qu'il va réagir quand il va apprendre qu'il est mort? Ok. Oh là. Attendez. Il y a juste un bouton. Ok. Ah bah oui, fallait continuer à avancer. Pas très malin ce que j'ai fait. Je me suis fait avoir par le mur. Il a l'air trop mimi, ce monsieur. Oui. Toi, t'es pas allé jusque-là, Zugi? Ah. Oh, ça va être chiant, ce passage. Ok. Comment est-ce que je fais mon affaire, là? Ouh!
Ouh, heureusement que j'ai boosté. Heureusement que j'ai boosté, ça allait être dramatique. Tiens, il a fini, je crois qu'il a fait toutes les faces. Il est parti là. Ah zut, j'étais pas loin. Hein. Il est retourné travailler là. Oh bordel. Voilà, il suffit de passer quand elles sont en haut, c'est beaucoup moins galère. Ça, ça va être chiant, ça par contre. Est-ce que je vais là? C'est, ils font comme s'il y avait un truc intéressant à droite alors qu'il n'y a rien. Lina qui a des bangers, de quoi? Ah, c'est la compositrice du jeu, c'est ça? Ok, c'est bon. Hop là, on a tout rangé. C'est beaucoup plus joli ici. Pouvez-vous m'indiquer la sortie maintenant? Mais mademoiselle Madeleine, vous a à peine eu le temps d'apprécier la mirette de luxe que notre hôtel peut vous offrir. Nous aurons le temps de parler quand j'aurai fini le ménage. Je suis très occupé. C'est vrai, les jeunes n'ont plus aucun respect de nos jours. Comme vous voulez. Oh, le relou, quoi. Ah, il me regarde. Ah. Théo, toi aussi tu es client ici? Madeleine, je suis trop content de te voir là. J'ai oublié sa voix. Je raffole le mystère inquiétant, mais là ça devient trop réel. As-tu parlé à monsieur Oshino? Je crois qu'il aurait vraiment besoin d'aide. Tu crois? C'est un vieux cinglé. Je parie qu'il est en train de préparer un coin où cacher nos corps. Je vais ramper dans ce conduit. Il souffle de l'air froid qui vient de l'extérieur. Viens! Monsieur Oshino est perturbé, mais je crois pas qu'il nous veuille du mal. Il doit juste ranger ce désordre. Je veux l'aider. Madeleine, c'est très gentil, mais c'est dangereux. Et voilà! Tu veux qu'on sorte d'ici et qu'on appelle un spécialiste en vieux cinglé? On n'est pas préparé à ça. Je crois pouvoir communiquer avec lui. Vas-y, je te rejoindrai plus tard. Bon sang, tu es encore plus têtu que ma sœur. Je croyais pas ça possible. Fais attention à toi. Merci Théo, je te retrouvais dehors. Je peux pas passer, j'ai pas le droit de sortir moi aussi. Putain, quel enfer. Salut Théo. Ah. Ah. Bon bah je vais pas le voir sortir, c'est ça? Oh. Tu as joué à Outer Wilds du coup? Oui. J'ai fait le jeu plus le DLC à l'époque. J'ai adoré. Donc ça devient pathétique là. C'est l'autre de droite qui me foutait la pression, de gauche qui me foutait la pression là. J'ai adoré. Oh là.
Ah bon? Attendez quoi? Hein? Est-ce qu'il faut passer dans l'eau et dans l'eau ça nous fait rien? Non, dans l'eau ça nous fait quelque chose. Comment on fait pour la choper celle-là? Oh, je suis débile. La vidéo de Great Review sur le sujet, oui, bien sûr. J'ai pleuré. Je trouve ça très émouvant la manière dont il raconte les choses à chaque fois. Ses choix de musique sont pas toujours mes préférés, mais... Ok. 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 Bah alors. Ah oui, il fallait que je m'agrippe parce que ça va être compliqué de lâcher le truc. Voilà. Oh là là. Oh, lui il est dur. Hop là, dash vers le bas. Allez, les serviettes, ça dégage. Mais bon, il a pas l'air d'être... hein, Monsieur Oshiro, on sait ce qu'on en pense, hein. Il est où là? Hein? Ah bah oui, on a enlevé tout ça. Bah elle était gratuite celle-là. Bah alors? Ah oui, d'accord. Il est là. Voilà! Vous avez vraiment un don pour disparaître! C'est dur, mais je me suis occupé de tout pour vous! L'hôtel Station Céleste vous présente ses remerciements pour votre aide, mademoiselle Madeline. Il va sans vous dire que notre personnel allait s'occuper de ce désordre. Oh, certainement, oui! Quelle humiliation! Vous devez être impatient de découvrir votre chambre! Il faut prendre l'ascenseur et vous la trouverez en haut du couloir. Pardon, au bout du couloir. Et puis, fut, allons-y! Montrez-moi la suite présidentielle, ça a l'air très bien! C'est ta dernière chance, Oshiro, ne la perds pas maintenant! Tu sais que cette fraise, je ne l'ai découvert qu'après 3 runs complètes. Ouais, comme quoi, hein, on vit tous des expériences vraiment différentes, hein. Hop là! Oh! Mais. Bon sang, c'est un vrai dédale ici! Comment ça va avec le cinglé? Je l'ai aidé à nettoyer, mais il fait son pauvre type avec moi! Et il croit toujours qu'il va me convaincre de rester. Madeline, sérieusement. Mon radar à mauvaise idée est en alerte rouge sur ce coup-là. Tu devrais sortir vite fait. Si je disparais maintenant, Monsieur Oshiro risque de s'effondrer. Alors je pourrais peut-être faire quelque chose de bien. Pour une fois. Oublie ton karma, l'ami. Je crois que ce mec va s'effondrer quoi qu'il arrive. Tu dois penser à ta sécurité. Théo, ça va aller. Ouais, je savais que tu m'écouterais pas. On se retrouve dehors, la prisonnière. Ah mince, fallait que je fasse encore un bon. Ah, je pense que c'est raté du coup. Ah non. Compliqué. Oh non, je l'avais. Dis donc. Hop là. Théo qui donne un conseil super sensé.
C'est quoi cette vieille fraise là? Bah oui, mais c'est la mort si on la prend, non? C'est la mort si on la prend, je crois, non? Attendez. Oh la merde! Ah là, je peux pas la prendre là. Attendez. Attendez. Je crois que j'ai compris, mais bon. Oh! En fait, elle est délicate à prendre parce que vous avez pas beaucoup de place. Ça pue la merde. Oh! Comment on fait celle-là? Je vais être un peu à court à la fin à force de grabber, non? Oups! Raté! Non! À la manette, ça a l'air vachement facile, j'ai mis une heure. Non, mais c'est parce que je suis méga skillé, ça. Te pose pas ce genre de questions. Oh merde. Ah oui, attends, c'est chiant là. Ah, il faut se laisser tomber et remonter sur le mur. Ok. Heureusement pour toi, Soru, je suis karma-proof. Et voilà, Oshiro, c'est ta dernière chance. Tu as déjà tout gâché et laissé une cliente faire le ménage à ta place. Elle ne restera jamais. Si, elle est toujours là, il reste une chance. La suite présidentielle est la clé. Ça va sûrement l'impressionner. Reprends-toi, Oshiro. Oh non, mais il a cradé toute la salle, le con. Voilà, mademoiselle Madeline! Suivez-moi vite! On y est presque! Il a tout cradé, Oshiro! Oh là là! Relou le boy! Ah, il a fallu que je fast fall. Ok! Waouh. Oh, il y a des fraises hardcore là. On va juste hein, voilà, hein, je suis pas là pour faire un 100%, on va se calmer. Oh, vas-y, je l'avais. Attends, mais Windfire, c'est juste que Chou est trop fort. Mais oui, tout à fait. En fait, c'est juste que je suis effectivement naturellement skillé au jeu vidéo, en fait. Enfin, c'est un talent naturel. Oh, putain. Phase B débloquée. On la ferait peut-être pas ce soir celle-là, hein. On la ferait peut-être pas ce soir celle-là, la phase B là. La dernière, on en avait bien bien chié. Je verrai si je vous fais toutes les phases B en stream, hein, d'accord. On va déjà voir le temps qu'on met pour faire le jeu régulier.
Et puis on se gardera les phases B pour quand on sera devenu vraiment bon. Oh là, bah alors, c'était pas très précis, hein. Dis donc, monsieur, concentrez-vous. Voilà. Raté. Merci. Ok. 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 Ça a compté comme une autre salle ou je recommence du début là? Ouf. Oh non, le seum! Le seum intégral. Hein. J'ai pas réussi à décoder du tout l'obstacle en plus. Faut que je saute puis que je dash vers le haut. D'accord. Ok, c'est bon, c'était pas le plus compliqué. Oh, encore un miroir, ça recommence. Et voici notre suite présidentielle plusieurs fois primée. C'est vraiment la diffusion même du luxe rustique. Je vous laisse vous plonger dans toute sa majesté. Je comprends que ça puisse faire beaucoup d'un seul coup. On a quand même check le miroir, hein. Pas de backseat ni de spoil, s'il te plaît, Windfire. Alors, qu'en pensez-vous? C'est beau. Les meubles ont coûté cher. C'est très spacieux. Les couleurs sont élégantes. On voit que vous y consacrez beaucoup de travail. Je savais que vous seriez impressionné. Oh, ouais. Alors, je peux accéder au toit à partir d'ici? Espèce d'imbécile, tu es en train de la perdre. Ah, j'allais oublier de vous dire, les clients précieux comme vous peuvent bénéficier de nos meilleures chambres à moitié prix. Je ne veux pas rester. S'il vous plaît, mademoiselle Madeleine, restez, je vous en prie. Monsieur Chiro, j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Ah merde, c'était quoi que je lui avais fait comme voix? Ça fait trop longtemps que j'ai pas... C'était pas ça? Madeleine, ma chère sœur. Pardon, ma chère, oublie ce loser. Loser? Vous êtes en plein déni, vieil homme. Cet hôtel est un taudis. Personne ne voudrait jamais rester ici. Il fallait que quelqu'un le dise. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Je suis très occupé. Attendez. c'est compliqué, je suis très occupé. Veuillez partir, mademoiselle Madeleine. Allez, mademoiselle Madeleine, tu l'entends? Merde. Allez, mademoiselle Madeleine, tu l'as entendu? Oh, bah dis donc, ça marche plus. Voilà. Allez, mademoiselle Madeleine, tu l'as entendu? Switcher entre trop de voix comme ça, c'est trop compliqué. Comment serais-tu sans moi? Elle est insupportable, elle. Elle est insup, le pauvre. Pourquoi t'as-elle dit que mon hôtel était un taudis? Comment ose-t-elle l'insulter ainsi? Et si elle disait vrai? Bien sûr qu'elle dit vrai. Tu ne pourrais même pas nettoyer sans son aide. Oh purée, excuse-moi. J'ai essayé, je fais de mon mieux. Mademoiselle Madeleine voulait juste aider. Mais pourquoi a-t-elle été si cruelle? Comment ose-t-elle t'insulter ainsi? Et si elle disait vrai? Bon, ok. Ça y est, boucle. Bah mais bon. Oh. J'ai cru qu'on ne se débarrasserait jamais de lui. Tu me revaudras ça. Ajoute-la à la liste. Laisse-moi tranquille. Je te croyais pourtant tellement déterminé à poursuivre ta sortie. Et là, tout d'un coup, tu te transformes en thérapeute pour cingler. Pourquoi tu t'en vas pas? Mademoiselle Madeleine, avant que vous partiez, je dois vous poser une question. Pourquoi avoir été si aimable avec moi pour me quitter maintenant? Qu'ai-je fait de mal? Oh, arrêtez un peu, vous ne comprenez toujours pas. Elle n'aide les gens pardon, que pour satisfaire son ego de mesurer. Elle ne s'est jamais souciée de vous. Tais-toi! Je voulais juste aider. Vous êtes pitoyables tous les deux.
pitoyable. Vous n'êtes venu ici que pour m'humilier. J'en ai fini de ramper devant vous. Ok. D'accord. J'ai raté le premier saut. D'accord. Ouais, c'est The Binding of Isaac, quoi. C'est The Binding of Isaac, quoi. Très bien. C'est Tainted Mintos. Ça va. Oh non! Oh bah alors je me suis retrouvé coincé. Nullement. Oh, je lui ai pété la gueule en plus, ce noob. J'ai raté la fraise, mais... Ah merde! J'ai pas vu que je pouvais pas revenir sur mes pas. Je suis parti direct, tout va bien se passer. En vrai, ça va, hein. C'est vraiment plutôt tranquille, en général, ce genre de mécanique. Fallait que je grippe. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était la mécanique avec laquelle j'avais le plus de mal dans le jeu, le grip? Les musiques et le pépite, j'avoue. Allez hop. Oh non! Oh, j'avais le rebond qu'il fallait et tout. Vas-y. Ah, il m'a chopé là. Première fois qu'il me chope, je crois, non? Je réussis des obstacles plus compliqués, puis je me plante d'un coup sur un truc de merde. Oh, c'était nul. Ah, mais il la donne au milieu du truc. Là. Bon, celle-là, elle va pas être marrante. Vas-y, calme-toi, monsieur Oshiro, là. Ok, merci, tu m'as aidé à avoir la fraise. Quel bro. Ok. Monsieur Oshiro, arrêtez! Je voulais juste aider! Aïe, il a tout pété. J'ai décidé de fermer l'hôtel pour réparation. Il y a des fuites dans la plomberie du deuxième étage. Dans la bibliothèque, c'est un vrai chaos. Sans parler du trou dans le plafond de la suite présidentielle. Ça, c'est nous, ça. Je vous en prie, laissez-moi seul. Pourtant, j'ai vu des critiques qui disaient que les musiques de Céleste étaient totalement nulles. Oui, après, chacun ses goûts, et puis les gens... voilà.
On a le droit d'avoir tort, hein. On a le droit d'avoir absolument aucune culture, c'est pas bien grave, hein. Je veux dire, c'est aussi possible, hein. Mais bon, voilà. Suffit de savoir reconnaître un banger quand on en entend un, c'est pas bien compliqué, hein. C'est juste qu'effectivement, y a des gens qui ont pas de goût, quoi. Non, en réalité, je trouve que les musiques sont quand même vraiment très très quali, et surtout, il y a un truc que ce jeu fait très très bien, c'est l'intensité de la musique. C'est pas toujours un truc qui est bien respecté, les balances sonores, etc. Et là, c'est un jeu qui a pas peur de te balancer ses musiques full blast quand il faut les balancer. Le reste, vous voyez, genre par exemple là sur le menu, on est vraiment totalement dans la retenue, on est très tranquille, on est plutôt doux, on est plutôt sympa. Et quand t'es sur un moment bien action, le jeu te balance un truc et il sait que c'est de la bonne. Il sait que c'est de la bonne. Bon, on fera pas la phase B tout de suite parce que j'ai la flemme. Allez, c'est parti. Conseil de grimpe faible ou juste ou un peu juste en énergie, saute des murs, ne consomme aucune endurance. Sauter des murs, pardon, ne consomme aucune endurance. Ok. C'est comme dans Mario. On a joué à P5, on sait reconnaître un banger. Exact. Ah, ça m'a poussé, après il faut que je saute. Ah, ça reset aussi mon dash. Ça reset mon dash. Ça reset mon dash. Bah oh. Alors, il m'a pris pour qui lui? Ok, oh là. Encore un vieux. Ah super, encore vous, mais c'est la vieille. Tiens donc, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je suis contente que tu sois encore un seul morceau. Tu vois que tu as réussi à franchir l'hôtel où tu as rencontré... As-tu rencontré, pardon, monsieur Oshiro? Ça, on peut dire que je l'ai rencontré. Il m'a chassé de là-bas, alors que j'avais fait plein de ménage pour lui. On dirait que tu t'es bien amusé ce matin. Oshiro, tu l'as perdu, ma chère. Cet endroit est plus qu'un simple hôtel pour lui. Tu devrais l'oublier. Vous savez ce que je crois? Je crois que cette montagne vous a rendu fous tous les deux. Bonne soirée à toi, Windfire. Tu sais, tu n'es pas la première personne, pardon, à dire ça. Tu as peut-être raison. Comment savoir si je suis folle? Selon moi, la montagne ne peut faire ressortir que ce qui existe déjà en toi. Mais il faut déjà être un peu fêlé rien que pour vivre venir ici, pas vrai? Excusez-moi, venir vivre ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Oh, je redonne comme la vieille bique que je suis. Es-tu prête à abandonner? Je connais un raccourci qui te ramènera à ta voiture. N'y comptez pas, madame. J'irai jusqu'au sommet. Il est parfois difficile de faire la différence entre obstination et détermination, n'est-ce pas? Tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Bonne chance et fais attention au vent. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être très chiant. Attendez. Attendez quoi? Attendez, ça va être très chiant. Le dash n'est pas affecté par le vent, j'ai l'impression. Ça se rafraîchit. Petite brise vivifiante. Ça y est, le jeu nous a foutu la paix. Oh merde, je l'avais en plus. C'est mignon comme tout ce petit ongle, hein. Oh non, les salauds. Les salauds. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Je crois que c'est le même code couleur que les premiers Rayman, en plus, si je dis pas de bêtises. Les nuages roses et les nuages bleus. Ok. Oh, ça va être relou, ça. Bon, ça va, c'est pas si relou que ça. Ok. Wow, et oh.
Ah merde, à la fin on a plus le temps. D'accord. C'est en montant que j'use mes batteries. Comment est-ce que je fais là? Attendez, il faut que je fasse des rebonds en fait au début. J'y étais arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Eh? Attendez, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Il faut faire un rebond sur le mur d'en face, d'accord. Attendez, je comprends. Oh, j'étais presque. Oh non! Oh non, je me suis fait avoir. Je l'avais. Elle est technique celle-là. Non! Non! Ouf, c'est bon. Ok. Eh? Ça peut me buter, hein. Et ça le fera. T'as taillé quoi? T'as taillé à regarder les diffusions de Palworld et m'a informé que visiblement tu m'as demandé trois fois comment j'allais avant que je te réponde. Je sais pas où j'étais mais visiblement pas là, donc excuse d'avoir mis devant. Oula, non mais... Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je suis aussi conscient du nombre de vents que je dois mettre au chat en permanence, donc il n'y a pas de... No offense taken. Évidemment. Ne t'inquiète pas, alors là... Oh, je savais qu'il y avait un truc là-dedans. Il faut... Attendez. Ah d'accord. Oh non. Oh putain, il est vénère le vent là. Oh, oh la saloperie. Je vous demande pardon. Et je me suis fait niquer, non? Je peux pas redescendre. Il y a un souci là, non? J'ai oublié un truc là? Ah putain, oui d'accord, ok, c'est bon. J'ai compris. Maintenant la question c'est, est-ce que je peux récupérer cette fraise? Ah putain. Ok.
Eh oui. Bravo. Voilà. Maintenant, dès que je vois des poils sur une texture, je pète un plomb, quoi. Oh, ça va être horrible, ça, non? Merde. Bravo. Avec je pars tout droit, je l'ai pas fait. Oh, bah alors. Bah alors. Allez, t'étais grave bien n'empêche, j'ai bégayé moi à la base. Sur cette fraise ? Après, arrêtez de me dire que je suis trop fort parce qu'à un moment je vais finir par prendre le melon quoi. Eh ? Eh ? Il a une manette, du coup c'est extrêmement facile. Oh, Zuki. Hein ? Alors là, je dois manquer une mécanique. Il y a un truc qui brille là-bas. Ça doit être chiette, ça doit être chouette d'y aller. Un toilette. Quel enfer. Qu'est-ce qu'il y a, Zuki ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, tu veux un Spy Family ? Attends, deux secondes. Non, ça marche pas comme ça. Attention, mesdames, messieurs, ne regardez pas. Arrêtez de regarder. Là. Allez, là, à droite. Prends-en deux, tiens. Voilà. Oui, bah, tu t'aurais pu le remettre aussi. Comment ça, t'as lu le 2 et tu sais pas où il est ? T'as lu le 2, mais tu ne sais pas où il est. D'accord. Attention à ne pas te prendre les pieds dans le casque. Elle a lu le 2, mais elle sait pas où il est. D'accord. Zuki stream bombe. Non, mais c'est infernal, hein. C'est infernal, hein. Il n'y a plus aucun respect pour le streaming. On peut monter. J'ai compris le principe. C'est bon. On m'a expliqué comment ça fonctionnait. On m'a expliqué comment est-ce que l'autre salle fonctionnait. Tout va bien désormais. D'accord. Oh, il faut s'accrocher. Ok. Elle est facile celle-là. Ok. Et... Il faut descendre, c'est ça? Ouais, voilà. Et là, c'est de là qu'on vient ou il y a autre chose? Il y a autre chose. Facile comme ça. Ça sert à quoi déjà? Oui, ça sert à savoir ce qu'il y a autour, c'est ça? Il y a une entrée secrète là-bas. Il y a une fraise ici.
c'est que cette fraise? Ok, facile. Après, j'avais pile le bon nombre de fraises et j'ai tout gâché. Et donc là, comment est-ce qu'on fait là? Comme ça? On fait comme ça apparemment. Ils sont rigolos ces petits blocs. Par contre, ils font des drôles de bruit en vrai. Ok. Comment est-ce qu'on fait là? Comme ça, comme ça. Ok. Ok. Ils sont chill, je trouve, en vrai, ces petits blocs. Attendez, c'est quoi, c'est quoi cette arnaque, par contre, là? Ah putain, d'accord, ok, ok, ok. C'est... Ah putain. J'avais aussi oublié qu'il y avait cette mécanique. Mais c'est bon. Les salopards. Ah, il faut choper. Oh, c'est technique. Regardez. Quel échec. Merde. Ah mais salut, tiens, j'ai pas vu, pardon. Ok, ressort, passe déjà. Je crois que Resort, c'était mon premier RQ. Parce que j'essayais trop les frais. Ça donnait quoi la course poursuite contre Oshiro? C'était trop facile la course poursuite contre Oshiro. Après, arrêtez, je vais finir par croire que c'est moi qui suis vraiment fort. Mais là, à un moment, pas non plus abusé, quoi. Je suis pas l'élu du gaming non plus. Je crois que c'est derrière qu'il faut s'accrocher, en fait. Oh, quel échec. Tout va bien. Je me suis remis les pinceaux. En fait, le truc, c'est que si vous passez votre temps à dire que OMG, il est déjà là, machin, etc. Enfin, à un moment, ça suffit. Oh, quel idiot. Allez. Non, je l'ai raté, putain. Non. Vite. Vous savez quoi, j'ai la flemme. Hop là, voilà, je l'ai pas eu celle-là. J'y étais presque, mais je l'ai pas eu. Allez, hop, hop, hop. Facile. Oh non. Attendez. Attendez. Hein? Non, mais là, après, ça recommence et on grimpe par là en fait. C'est ça? Ouais. Bon, on va pas aller chercher la fraise, j'ai la flemme. Ah, je suis trop vite. Ok, j'y étais en fait. Oups. Attendez. Ah putain! Fallait juste tracer tout droit en fait, c'est ça? Pas du tout! Comment on est censé revenir alors? Oh le bâtard! Petit bâtard!
J'ai compris, hein, mais... Petit bâtard. Ok. Et du coup, c'est quoi cette histoire? Il faut... On peut pas continuer par là. C'était bien par là qu'il fallait aller, du coup. C'est très chiant, là. Hein? Ah, mais j'avais pas vu le petit truc en haut, regardez. J'avais pas vu celui-là. Voilà. Pff, finally, a place to rest. To rest. Ok. Hop là. Du coup, la fraise derrière, elle est facile. Ok. Smooth. Ok. J'aime bien ces petites bulles et ces petites plateformes là. Oh merde. Zut. Fallait pas que je dash. C'est ça. Si. Il fallait que je fasse ça aussi. D'accord. D'accord. Ça va être un peu un enfer à speedrunner ce jeu. Faut connaître tous les angles de dash. Ah oui, ça putain, ça me reset mon dash. Putain, je suis trop con. Ok. Oh bah alors. Mais. Ok. Droite, dash, dash. Ok. 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 Je vais choper une fraise. Alors après ça c'est revenu là. Ah c'est bon. Oh. Zut. Voilà. Et d'accord. Oh non, fallait juste atterrir tout de suite dessus. Je crois que je vois comment il faut faire, mais... Ok, on recommence. L'exécution est pas simple. Voilà. C'est bon. Rien à voir, mais hier j'ai fini 100%, j'ai fini Mario Wonder à 100%. Ah, il est bien 100% de ce jeu ou pas? Il va être rigolo celui-là. Oh merde.
D'accord, clac, clac. Parce qu'en fait, tu te fais stopper net sur le chemin du retour, quoi. Dès que t'as plus de putain, il fallait aller à droite. Il est dur à choper celui-là. Merde. Ok, il fallait aller tout droit après le deuxième dash, d'accord, bah oui. Donc là comme ça. Là comme ça. Oh non! Oh la réintégrale! Est-ce qu'il fallait, il fallait aller tout droit 100 mètres de dash vers le haut? Attendez, je vais y arriver, hein. Putain, je l'avais presque, il fallait que je sorte, il fallait que je le fasse plus vite. Comment dire? Attends. Ah non. C'est pas difficile pour la majorité, ce qui reste difficile, c'est le monde spécial et encore j'ai dû bégayer sur 2-3 niveaux max. Oh non. Ouais, je crois que le monde spécial, j'ai un peu. J'ai trouvé ça un peu dur par moment. Oh putain, c'est vraiment. Il faut juste sortir tout de suite, quoi. Ah bon. Y a quoi? Est-ce qu'il y a un autre truc que. Ah non, fallait. Fallait sauter, mais juste se laisser retomber. Je l'avais, hein. Il fallait continuer à aller vers la droite. Ok, c'est bon. Bordel. Waouh, ben il était marrant celui-là, tiens. Ah la saloperie. Quoi? Très particulier je crois. Je me suicide. Tu as fait le tout dernier niveau du monde spécial. Celui que tu débloques en ayant fini tous les niveaux précédents. Je crois qu'il ralentit le truc en fait. Oh, je l'ai pas eu la fraise. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Merci. Bah alors. Bordel de merde. Qu'est-ce que cette histoire? Tous les badges. J'en ai foutre aucune idée. Je dirais que non. Ok, c'est bloqué là. Ok. Parce que tu parles de terminer tous les niveaux précédents, mais tous sans exception, ou ceux du monde spécial? Tous les niveaux du monde spécial. C'est pas le bon plan de faire ça. Oh, putain, j'ai compris. J'ai compris ce que ce niveau attend de moi. Pas assez vite, d'accord. Bah quoi, j'étais pas assez rapide là, c'est ça?
Ouais, d'accord, ok, faut juste que je parte devant en fait. Je crois que j'ai même pas fini le monde 8 hein, en fait, hein, typiquement. Ça, c'est bien passé. Tu l'as pas fini le niveau. Tu l'as pas fini le niveau dont tu parles. Après, ça va, y a pire. Je l'ai pas fini le niveau dont je parle. Je l'ai pas fini le niveau dont tu parles. C'était pas très honnête, ça, monsieur. Y'a pire après, d'accord, ok. Dis donc. Oh. Oh. Oh, elle est chiante cette fraise, je la ferai pas. J'ai eu le temps de voir que très brièvement. Putain. T'as pas fini mon spécial, le niveau dont tu parles, lui ça va, après y'a pire, d'accord, je l'ai. Ouais bah écoute, il faudra que je redonne du. Oh ! Enfin que je redonne du temps au jeu du coup, j'imagine. C'est vers le bas qu'il fallait aller monsieur là, c'était évident quand même. C'est bien que l'on prend mieux mon texte, je te l'accorde. C'est pas vrai. Ok. La flemme de la récupérer, je vous préviens. Ça. Voilà, le jeu me lance une grosse mucoa là. Ah, la crampe aux doigts, la crampe aux doigts que ça va faire quand Quoi ? La crampe aux doigts que ça va faire quand on va relâcher le stick vers la droite là. Oh la saloperie. Ok, ça va déjà un peu mieux. Oups, c'est bon, tout va bien. Dommage. Bon. Oh. Mais c'est la même chose que la poursuite avec l'autre fantôme. Si on leur saute sur la tête, c'est bon. Bah! Faut aller vers l'eau, monsieur.
Fallait aller vers le haut à nouveau. Je sais que j'avais la flemme de récupérer cette fraise. Il est pas très compliqué pourtant ce tableau, hein, mais... Mais il est compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Ok. Ah, c'est marrant, quand on chope une boule de neige, on a un rebond méga fort. Je m'attendais pas à toucher la bulle. Oups. Ok, je suis en vie, tout va bien. Je suis en vie, tout va bien. Allez, bien en diagonale. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ensuite, hop là, 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 hop là. Ok. Keep poop. Merci. Je me suis avoir parce que j'ai relâché le stick quoi. À aucun moment vous n'avez le droit de relâcher le stick, sauf au bon moment. J'ai relâché le stick parce que. Quel enfer ! Oui ! Merde. Oups. Allez. Madine, attends-moi ! C'est qui ? C'est Théo. Eh ben, c'est bien vautré. Dans le mille. Théo, tu vas bien? Ah, ouais. Une minute. Sacré hipster à barbe. Une nacelle, je suis rêvé d'en faire. Elle n'a pas l'air toute jeune, mais elle fonctionne peut-être encore. Je ne vois pas d'autre moyen de franchir ce gouffre. Allons-y. Ce levier a l'air important. Oh bordel, ça marche à tous les coups. J'ai sûrement été pilote de nacelle dans une autre vie. Tu crois que c'est sûr? Je suis sûr que tout ira bien. Comment ça s'est passé avec Oshiro? Tu avais raison, je n'aurais pas dû tenter de l'aider. J'aime pas rappeler que je te l'avais dit, mais... Ouais, j'aurais dû t'écouter. Tu n'es pas blessé, c'est le plus important.
L'air est tellement rare à cette altitude, j'arrive à peine à respirer. Bon, si on fait pas un selfie dans ce truc, on va le regretter. Je ne vois même pas le sol à travers cette brume. C'est à quelle altitude? Moins de panique, plus de pause. Oh bordel. Qu'est-ce que c'était? On dirait qu'on s'est arrêté. Très mauvaise nouvelle. Peut-être que si je... Bon, ça se passe pas bien. Non, ça ne va pas bien du tout. Madeline, ça va? Ouais, c'est juste que... Non, ça ne va pas. Oh, c'est une angoisse, quoi. Je n'arrive pas à respirer. Respire, respire, tout va bien. Tu fais une crise de panique. Comment tu peux penser que monter dans cet engin stupide était une bonne idée? Allez, ne t'en prends pas à moi. Fais-moi confiance. Mon grand-père m'a appris un truc pour ça. Ferme les yeux. On voit une plume qui flotte devant toi. Tu vois? Ok. Ta respiration fait flotter cette plume. Et continue de respirer calmement. Inspire, expire. Bah alors? Ah oui, d'accord. Inspire. Expire. Oh putain, d'accord. Oh l'enfer. Très bien. Ça repart. Tu vois, ça marche à tous les coups. Ouais. Tu te sens mieux? Je crois. Merci de m'avoir aidé à me calmer. Comment as-tu su qu'on allait repartir? Oh, je pensais vraiment qu'on était cuit. Oh mon dieu! Mais regarde ce selfie! Le selfie de l'angoisse! Selfie de l'angoisse! Chapitre fini. Ok! Bon, et ben c'était chill! Oh, oh putain, je pense que ça s'est pas entendu au micro parce que mon micro capte juste le son de ma bouche, mais... Putain, j'ai tout le dos qui a fait... J'ai fait comme ça, là, j'ai tout le dos qui a fait... 142 morts, et ben voilà, bon score. Ok. Bon, ça nous laisse un petit peu de temps pour attaquer le nouveau chapitre. Le Temple Miroir. Le savais-tu, la plupart des anciens des accidents de montagne sont dus à la fatigue. Pense à faire des pauses régulières. Ça, c'est le jeu qui est en train de me dire que je vais trop vite. Que je suis trop fort. Oh, regarde un peu cet endroit. Tu as envie d'aventure? Je ne sais pas trop. On dirait qu'il fait bien noir là-dedans. C'est plus un cauchemar qu'une aventure. Je vais jeter un œil et prendre quelques photos. Cet endroit doit être ancien. Théo, attends! Mes abonnés Instapix vont se régaler. C'est beau en tout cas. Ça va forcément mal finir. Ah, la musique est un banger là. Ces petits bouts de reflets, c'est du pixel art hein, Justin, mais... Ça se la pète un peu quand même, hein. Oh bordel. Oh bordel, ça va être relou ça. Oh, ça va être relou. Oh oh.
C'est le téléphone de Théo. Pas de panique, Madeline. Il est peut-être simplement tombé de sa poche. Je lui rendrai quand je le retrouverai. Ouais, sauf que le jeu nous a conditionné à avoir peur des miroirs depuis le début à cause de... The Dark Madeline. D'accord, une nouvelle mécanique? Aïe. D'accord, il fallait pas dash. Pff, quel BO incroyable. Sympa, ok. D'accord. Attends, quoi? Hein? Je comprends pas bien cette énigme là. Parce qu'il repart beaucoup trop vite en fait. Bon. Sympa les fraises, mais faut pas déconner non plus. J'ai dit c'est sympa les fraises, mais faut pas déconner non plus. Hein? Oups, d'accord. Mais y a que ça des fraises en fait. Hein? Je bats forcément là. D'accord, ok. 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 Celle-là, j'ai compris. Ok. Fallait juste continuer tout droit. Je sais pas pourquoi est-ce que ça n'a pas fait. Très bien. Alors, c'est bizarre ces bulles à chaque fois, hein. Un petit peu. Quand on rentre dedans. Ok, donc là ça m'emmène jusqu'à là-bas, c'était ça que ça voulait me faire voir, voilà c'est ça. Ok.
lâcher. C'est bizarre, je trouve le l'atmosphère de ce temple presque anesthésiante. Presque trop calme par rapport au reste du jeu. Est-ce qu'il faut que je saute plus tôt ? Non. Pas gentil ça. J'avais enfin réussi à passer. Mais arrêtez aussi de me mettre des trucs comme ça dans les jambes là. Faut enchaîner très vite en fait. Faut partir bien droit et comme ça. Petit miroir encore. Une clé. Let's go. J'ai pas du tout ce qu'à ouvrir. Moi. J'avais vu une porte fermée un moment. Est-ce que quelqu'un se souvient d'où elle est ? Non mais c'était pas dans cette salle-là, c'était avant d'arriver dans cette salle. Mais c'est fermé là maintenant. Ah, c'était là. Oh oh. Théo, te voilà. Ah. Madeleine, salut. Que fais-tu à l'intérieur d'un miroir ? Je dirais plutôt que c'est toi qui es dans le miroir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, je faisais un selfie du miroir, tranquille. Tu vois, du genre, c'est le gars Théo dans un vieux temple, rien de méchant. Hashtag bienheureux. Et quand je me suis réveillé, j'étais étendu au sol. Ça ressemble à quoi là où tu es ? Comment puis-je te trouver ? C'est très sombre et bizarre. Il y a... Attends, il y a un truc qui vient. Je me sens très tenté de fuir. Sois prudent, d'accord ? C'est hyper rassurant cette histoire, bravo Théo. Bravo Théo. Super pour les crises de panique. T'es vraiment qu'un petit con Théo. On voit Rin et il y a des crânes partout. C'est vraiment intéressant de passer par là-haut. Je suis pas sûr. Ok. Oh là. Oh le bordel. Oh le bordel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Oh non. Attends quoi ? Oh putain. Ok. Ah oui non, là il fallait juste changer de tactique. Oh,
Dommage. Ok. Je me suis trompé, fallait pas repartir en haut. Je me suis trompé, fallait pas partir à gauche. Ok. On va s'entraîner sur le chemin du retour. Comme ça. Ok. Bon, au moins on connaît le chemin du retour. J'ai remarqué que des fois le jeu était pas très sympa avec les fraises quand on était censé les choper. Ça fait deux fois qu'on passe à un pixel près d'une... une fraise hein, quand même. Hein. Oh non, fallait descendre tranquillement. Et là fallait pas descendre tranquillement. Saleté. On va y arriver. Mais putain! Qu'est-ce qui fait que je la choque pas? Mais pourquoi je l'ai pas? Je comprends pas. Je suis juste trop court. Elle me voit venir en fait la saleté. Il faut que je fonce et que je redâche dans l'autre sens. Mais non, c'est trop bizarre. Faut que je redâche vers le haut. Ok, il n'y a rien dans cette salle, c'est fantastique. Ok. On a appris un truc, c'est que ces plateformes servent de tremplin. Ah oui d'accord, si on saute, on est forcément propulsé. J'ai été propulsé hyper vite là. D'accord. Ok. Hein ? Attendez quoi ? What ? Wow ! Ok. Elle est pas très compliquée, je pense, mais... elle est un peu au pixel près, donc fallait que je saute là, je suis très con. Je pense qu'elle est un peu au pixel près. Ouf. Ok, ça s'est bien passé. Faut que j'aille, mais je crois que c'est pas vers le haut qu'il faut que j'aille, il faut que j'aille vers l'avant.
Non, vers la diagonale. C'est une diagonale que je voulais faire, pas aller tout droit. Voilà. Nice. Oula. C'est rassurant ce machin. Bien, ça fait du bien ça. Est-ce qu'il y a un moyen de remonter là? Aïe. Sympa comme tout. Ok. Et il est 23h les cocos, il va falloir s'arrêter hein, un moment. Je sais qu'on s'amuse, etc. Que... Miroir cassé, malheur. Faut prendre une diagonale au bon moment, c'est ça? Bizarre. Bon. Allez, on va s'arrêter là-dessus les cocos. Merci d'avoir été là ce soir. On continuera Céleste la semaine prochaine, je pense. Sauf s'il y a trop de balles dures. En ce moment, j'hésite beaucoup avec Céleste the Spire, mais peut-être que je mettrai deux streams dans la semaine. Enfin, un stream dans la semaine. Bref, on verra. Je vous tiens au courant. De toute façon, vous savez qu'il y a la prog. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et on se retrouve demain soir pour Mario Kart. Des bisous les cocos. Ciao ciao et bonne nuit. Dormez bien. Faites de beaux rêves, mais pas de crise d'angoisse. Et si vous faites une crise d'angoisse, pensez à la plume. Stick haut, stick bas, stick haut, stick bas, dans le petit cadre et ça vous calme. Bonne nuit les vieux.